حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الكرام، كجم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voici la sixième preuve tirée d'un verset de la Bible après une bonne analyse, Inch'Allah, prouvant que le Coran est bien la parole parfaite d'Allah et l'Islam la seule religion agréée d'Allah, afin que nos foi se raffermissent et afin que ceux qui appellent ou veulent appeler les gens à la vérité cèdent de cela en le faisant avec logique, douceur et preuve. Bidnillah ta'ala. Sixième preuve, Apocalypse de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Cela veut dire, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie par le prophète Jésus-Christ et qui le suivent et qui gardent les choses qui y sont écrites, veut dire celui qui ne falsifie pas le message de Dieu et qui ne prend pas les prophètes ou autres pour des dieux, mais pour des messagers et prophètes qui adorent celui qui les a envoyés, Dieu l'unique sans associé. Car le temps est proche, veut dire car le jour de la résurrection et du jugement approche, ce qui prouve que le Coran est la parole de Dieu et l'Islam la seule religion acceptée de Dieu. Car elle dénonce par son authenticité pure la non-authenticité des textes de la Torah et l'Évangile à cause des falsifications faites par des égarés injustes après la disparition des prophètes alayhim salam. Allah nous l'explique dans le Coran comme suit. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue, et il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale, et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Chapitre 98 qui a pour nom la preuve. Verset 4. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وموسى رسوله وعيسى رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي.